Bonsoir. Vous l'avez compris, j'espère, je ne suis pas Patricia Cass. Mais rassurez-vous, Patricia n'est pas loin. Elle est tout près de moi. Patricia, star 90, Patricia la voix de l'année. Mais qui se cache, qui est derrière cette voix de l'année? Des questions que vous vous posez, des questions que j'ai eu envie de lui poser. Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qu'il m'a joué de son foie, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Patricia, première question, compte tenu de la différence de génération, est-ce que je peux te tutoyer? Oh, oui. Merci, voilà. Alors comme ça, ça va être plus facile. Alors Patricia, comment était la petite fille? Qui était la petite fille? Espiègle, facile, difficile, capricieuse, docile? Comment était-elle? Assez facile, quand même. Toujours un peu réservée, comme aujourd'hui. Et j'aimais de la musique depuis toute petite et j'avais déjà le rythme dans la peau, quoi. Tu as un premier souvenir musical? Tu te souviens de ton premier souvenir musical?
J'aimais bien Claude François parce que c'était dansant, ça bougeait, j'aimais ça et il m'a donné un petit peu envie de chanter. Et voilà, ensuite j'ai un petit peu évolué, j'ai commencé à aimer les chanteuses à voix comme Liza Minnelli. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à chanter dans un cabaret à Sarrebruck, j'ai chanté des chansons de Liza Minnelli, New York, New York, cabaret. Est-ce que très vite tu as pensé que tu deviendrais une chanteuse et que tu ferais une carrière? Qu'est-ce que ça représente pour toi une carrière d'abord? Je savais à cette époque-là que j'allais toujours chanter. Parce que chanter, je me sentais bien, je pouvais m'exprimer. Par contre, je savais pas que j'allais monter à Paris, connaître le métier de la chanson. C'était un petit peu un rêve d'enfance. Et aujourd'hui, je sais que quoi qu'il arrive, je chanterai toujours. Parce que j'ai besoin de ça, ça fait partie de ma vie et ça pourra pas changer, quoi. Je suis pas comme ce qu'elle dit. Je voudrais pas que mes filles chéries deviennent plus tard. Elle s'appelait Kennedy Rose. Mais dites-moi, quelle métamorphose a fait d'une si jolie fille rose une dame pour qui ses fils osent de toute leur vie faire un défi. De toute leur vie faire un défi. Je suis pas comme Rose Kennedy. C'était une jolie petite fille rose. Ses filles chéries de l'Amérique auraient pu faire de la musique, des sciences ou des mathématiques, au lieu de n'être que des filles. Je suis pas comme Rose Kennedy. Pas que mes filles chéries deviennent plus tard, quelle folie. Président des États-Unis. Jazzé est là, la java s'en, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazzé et quand le jazzé est là, la java s'en, la java s'en va.
il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute PA, un solo de batterie, là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et me noircis à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit go man, la java dit go home. Mais quand le jazz est, et quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copain, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le pas de son dos. Oh, oh. Et je donne à la java mes mains pour le pas de son dos. Je t'aime Patricia, puisque je t'ai dédié ma petite jazzva. J'aimerais qu'à ton tour, sous les doigts de Maurice Vander, tu me chantes cette chanson de Gershwin où il est question d'un bel été quand la vie est facile, easy. Summertime and the living is easy. Fish at champagne and the cotton is high. Only your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't cry. Going to rise up singing. When you spread your wings and you take to the sky. But still that morning, there's nothing can harm you. Accueillir Alain Chamfort, je voulais être élégante, à votre avis. Comment tu t'imagines dans 20 ans, à 40 ans? Tu vois Patricia Cass à 40 ans? Tu chanteras quoi à 40 ans? je chanterai des textes et des émotions qui viendront de l'intérieur, qui exprimeront tout ce que j'ai vécu. L'évolution que tu vas faire. Voilà, tout ce que j'ai vécu
dans ces 40 ans, tout ce que j'ai pu connaître, tous les moments difficiles, les moments de bonheur, etc. Et tout ça, je pense que je l'exprimerai en chanson. Dis-moi, je crois que ta mère a une importance capitale sur le choix de ta vie, les choix de ta vie, tes décisions. Elle m'a toujours dit de me battre dans la vie parce que c'était pas facile et qu'il fallait beaucoup de volonté. Et elle m'a donné cette volonté et ce caractère. Et c'est elle beaucoup qui m'a aidée pour ce qui est la chanson. Parce que c'est vrai que quand on commence à chanter très très jeune, très souvent les parents disent c'est pas un métier, tu peux pas faire ça. Et là, elle a été très bien parce qu'elle m'a suivie partout, elle m'a même aidée. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de me voir sur scène. Mais encore aujourd'hui, elle m'aide beaucoup, quoi. Je communique avec elle, c'est peut-être difficile à faire comprendre, mais il y a une espèce de contact qui reste et qui restera toujours. Pas du tout, parce que j'avais une question à te poser, qui est une question en forme d'affirmation, et je t'aurais demandé si j'avais raison ou tort. C'était, je suis persuadé que certains soirs, dans une ville X, Y ou Z, quand tu es spécialement angoissé ou spécialement perturbé ou que tu es mal, est-ce qu'en rentrant sur scène, tu t'adresses à ta mère et tu lui parles? Est-ce que tu lui dis ce soir, je chante pour toi? Ah, ça m'arrive très souvent, oui. Parce que déjà, si j'existe sur une scène, si j'ai de la chance de faire la scène, c'est grâce à elle. Et ça, c'est une chose que j'oublie pas, comme j'oublie pas l'amour qu'elle m'a donné ou l'amour que la famille m'a donné quand j'étais plus petite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, régulièrement, je rentre chez moi, je vois ma famille, je parle avec eux parce que ça me redonne des forces, ça me redonne, je vois plein de choses revenir. T'as des frères, des sœurs? Ouais, on est une grande famille, on est 7 enfants. Est-ce que tu arrives à ne pas laisser s'ouvrir et s'écarter ce fossé qui se crée logiquement et normalement entre les frères et les sœurs quand on fait la carrière que tu fais, quand on devient le personnage que tu es? Est-ce que le langage reste toujours le même? Non, le langage reste le même. Forcément, je suis un petit peu plus loin d'eux parce que je vis à Paris et que je les vois pas très très souvent. Mais il y a quand même un contact qui reste et on me parle en tant que sœur et pas en tant qu'artiste. Faudrait pouvoir jeter tous les mannequins d'osier du haut d'un grand pont. Ces fantômes oubliés, ces ombres du passé qui nous espionnent. Faudrait pouvoir brûler les visages adorés de notre enfance. Marcher d'un pas léger vers le soleil qui vient en insouciance. Et les regarder. Jeter tous les mannequins d'osier du haut d'un grand pont, comme les poupées cassées, les pierrots abîmés de la mémoire. Faudrait pouvoir rayer les prénoms murmurés dans sa jeunesse et savoir oublier les yeux et les baisers de la tendresse.
petite pantomime pour mon idole, Raymond Devos. Jean-Louis Aubert, j'espère qu'il est moi.
la vie professionnelle, il y a une part de vie privée. C'est difficile de concilier les deux. Ah oui, je crois que il y a toujours un petit côté un peu solitaire quand on est artiste, parce que qui est des fois très positif, parce que c'est un métier où on est toujours beaucoup entouré, pas forcément toujours par des gens qui disent des choses bien, ou peut-être ils le disent en face et derrière ils pensent différemment. Et donc quand on rentre le soir, ben la solitude des fois c'est bien parce qu'on a, ça nous permet de faire le vide dans notre tête. Mais des fois c'est difficile parce que on se dit tiens, on me regarde en tant qu'artiste, on m'aime en tant qu'artiste, mais qu'est-ce que je suis moi, la fille, j'ai envie qu'on m'aime aussi pour moi-même. Ce qui est surtout important pour moi, c'est que les gens m'acceptent et m'aiment comme je suis. T'as envie d'être aimé pour toi. Pour moi, et voilà. Pas seulement pour la voix que tu représentes. Voilà, c'est ça. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili J'écoute la pluie en vacances d'Allemagne, où j'entends le rock en silence d'Allemagne, où j'ai des souvenirs d'en face, où j'ai des souvenirs d'enfance, Leninplatz et Anatole France d'Allemagne. L'histoire passée est une injure d'Allemagne. L'avenir est une aventure d'Allemagne. Je connais les sens interdits, je sais où dorment les fusils, je sais où s'arrête l'indulgence. Ah, puis d'Arsène, Lili Marleen, reparlez. Vous rassure. D'Allemagne, j'ai des histoires d'amour sincères. Je plane sur des musiques d'Apollinaire. D'Allemagne, le romantisme est plus violent. Les violons jouent toujours plus lent. Des valses viennoises ordinaires. Puis d'Arsène, Lili Marleen, reparlez-moi des roses gothiques qui m'accompagnent dans notre Allemagne, à l'heure où Colombée vautour s'éloigne. De quel côté du mur la frontière vous rassure.
Ich habe eine kleine Wildblume, eine Flamme, die zwischen den Wolken blüht. Dalman, j'ai une petite fleur dans le cœur, qui est comme l'idée du bonheur, qui va grandir comme un arbre. Auf Wiedersehen, liebe Marlène, reparlez-moi. Robe de cuir pour Johnny. Sur scène, comme on prend le dernier train. Même les soirs de drame, il faut trouver la flamme qui brûle, puis toucher les femmes qui me tendent les mains. Mais qui me quitte, qu'elle m'aime, mais dont je ne sais rien. Aujourd'hui je suis fatigué, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas aéros, et ton pas me colle à la peau. Je ne suis pas aéros, pour pas voir ce que disent les journaux. Je ne suis pas de femme s'accroche à mes larmes. Je sais que c'est pour m'aider à porter tous mes chagrins. Oui, je sais qu'elle le rêve, mais ça leur fait du bien. Et à coups de pied dans l'âme, oui, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Mais pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder. Pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais crier. Je ne suis pas aéros, et faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas aéros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me tourner.
ce que disent les journaux. Je ne suis pas que dans le métier que tu fais, compte tenu de la position que tu as acquis maintenant, il y a des soirs, sûrement des moments où tu as une sorte de vertige. Est-ce que tu te poses des questions? Tu dis, tu sais plus très bien qui tu es, où tu en es, où tu vas. Est-ce que tu n'as pas cette forme de vertige qui nous arrive souvent à nous? Et comment tu réagis à cela? Ouais, il y a des moments difficiles, il faut le dire, parce que être artiste, c'est pas tout simplement se mettre devant une caméra et chanter ou faire semblant de chanter. Il y a tout plein de choses autour, il y a de la concentration, il y a des décisions à prendre, il y a la scène, il y a l'énergie, il y a l'émotion. Et tout ça, ça se chamboule un peu, on se dit, est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que... Mais quelque part, je crois que j'ai assez confiance en moi parce que j'ai depuis le début un petit peu décidé moi-même de ce que je voulais et jusqu'à aujourd'hui, ça s'est toujours bien passé. Bon, peut-être qu'un jour je me tromperai, comme tout le monde peut se tromper, mais ça m'a donné une espèce de confiance. Et... Est-ce que tu es d'accord qu'on ne fait pas une carrière seule? C'est déjà important de pouvoir être libre. Et ensuite, les gens qui m'entourent, c'est important aussi, parce que il faut pas s'entourer avec des gens qui, à longueur de journée, te disent « ouais, t'es la meilleure » et ci et ça, parce que à force, ben, on a la grosse tête et on sait plus vraiment quoi et qui on est. Chaque fois que je l'imagine, ça fait bizarre, bizarre.
Est-ce que tu as un souhait ou un vœu à formuler? Qu'est-ce que vous avez aimé dans votre métier et qu'est-ce qui vous a déçu dans votre métier? C'est une bonne question. Alors je te répondrai très brièvement parce que je ne veux pas prendre sur le temps qui t'est imparti parce que c'est ton émission et pas la mienne. Je te répondrai simplement les gens. Ce qui m'a le plus fasciné, c'est la rencontre avec certaines personnes. Ce que je déteste le plus, c'est les autres personnes. J'ai mis mon cœur dans une écharpe de laine, jeté les fleurs des vases de porcelaine. Il va couler bien des jours sous le pont de notre amour, sans que je puisse t'oublier. J'ai accroché des rideaux gris aux fenêtres et j'ai brûlé nos photos et tes lettres. L'amour est-il si pressé de toujours vouloir s'en aller? Dites-moi si vous savez où s'en vont les cœurs brisés quand ils ont fini d'aimer. Où s'en vont les cœurs brisés quand ils ont fini d'aimer? Mais certains soirs, malgré tout, je te regrette. Et je me dis qu'il reste une chance, peut-être. Il a coulé bien des jours sous le pont de notre amour, sans que je puisse t'oublier. Puisqu'au fond, les cœurs brisés n'ont jamais fini d'aimer. N'ont jamais fini d'aimer. Tu vois, on te découvre, on t'apprend, on apprend à te connaître et finalement, ce que moi je regrette le plus, c'est que finalement les gens nous connaissent très mal et te connaissent très mal. Là, je parle de toi. Et sûrement que je pense que cette émission leur a permis de pénétrer un peu plus à l'intérieur de toi-même, de voir le personnage sensible que tu es, souvent pudique, timide, brut comme un diamant, puisque je t'ai appelé le petit diamant. Et c'est ça qui est très beau. Mais de toute façon, il faut aussi garder une part de secret, une part de mystère. Parce que c'est comme ça que tu seras une star. C'est une star, on ne doit pas tout savoir. Il faut toujours garder une partie de l'iceberg en dessous. Il ne faut pas tout donner, il ne faut pas tout montrer, parce que d'abord, ça t'appartient, c'est à toi, et il faut le garder. Hein ? Toujours des cartes postales des Bahamas, maman. Les hommes qui passent tout le temps sont musiciens, artistes, peintres ou comédiens, souvent. Les hommes qui passent, maman, m'offrent toujours une jolie chambre avec terrasse, maman.
Avant demain, avant que la mort me donne la main, avant que l'automne ait mis aux arbres des cheveux roux. Un dernier blues avant minuit, avant que l'amour m'ait travesti, avant que les hommes aient pris mon cœur pour un igloo. Un dernier blues en catastrophe, avant qu'une étoile m'apostrophe. Avant d'avoir écrit mon nom sur les néons de l'infini, un dernier blues en majuscule, point de suspension et virgule, un dernier blues, un jour de pluie, en mi mineur pour un ami. Un dernier blues avant demain, avant que la mort me donne la main, avant que l'automne et mis aux arbres des cheveux roux. Un dernier blues avant minuit, avant que l'amour m'ait travesti, avant que les hommes aient pris mon cœur pour un igloo.